Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça sera pour une vidéo haul Action, dont je suis allée à Action de Menin. Et en fait j'y suis, j'ai bien fait parce que j'ai trouvé plein, mais alors vraiment énormément plein de nouveautés, dont je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je suis contente parce que je les ai trouvées. Bon, j'ai pas pris toutes les couleurs parce que bon, la poudre à embosser j'en ai déjà. Et alors, faut faire très très attention parce que quand vous allez voir donc dans les petits flacons, alors il y en a, j'avais vu, il était vraiment vraiment en bas. Donc apparemment, c'est soit ils sont mal fermés et tout. Vous voyez, donc là, il y en a même aussi au niveau des stylos. Je sais pas si vous allez voir. Et en fait, à mon avis, ils ferment mal les emballages et en fait, tout se barre. Donc il faut faire attention quand vous prenez la poudre embossée, que le niveau est bien à ras-bord. Bon, celui-ci, vous voyez, il est un petit peu, on va dire, aux trois quarts, comparativement à celui-là. Je sais pas si vous allez voir au niveau de la caméra. Ouais, parce que vous voyez que c'est noir sur noir, c'est pas toujours évident. Alors, attendez, peut-être sur celui-ci. Vous voyez, celui-ci, il est bien rempli. Comparativement à celui le rose, il est pas très, très rempli. Bon, c'est pas grave. Bon, pas non plus, voilà. Je vais pas non plus le reporter au magasin. Alors moi j'ai pris le noir, vous avez le, alors vous voyez, vous avez Smoice, alors je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça veut dire, faudrait que je vais voir, ça doit certainement être un effet crémeux, je pense. Vous avez le glitter, vous voyez, vous avez deux styles en fait, voilà. Et donc là vous avez donc le bleu, alors je ne sais pas si vous allez voir, mais le bleu il est vraiment très très beau. C'est un bleu nuit en fait. Il est vraiment très très joli. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que celui-là j'en ai pas. Donc voilà, j'ai vraiment pallié aux couleurs que je n'avais pas. Le reste je l'ai pas pris parce que tout ce qui est argenté, doré, ça j'en ai. Donc j'en reprends pas. Alors j'ai repris également. Alors j'avais un doute. Je me suis dit je vais prendre déjà les deux là. Alors j'ai pas pu faire de photos parce que moi quand je vois des feutres, je prends d'abord la photo des numéros des feutres que j'ai pas et après je vérifie à la maison. Généralement, je fais ça. Bon, là, je me suis dit, je vais pas faire de photos. De toute manière, si bien je ne pouvais pas, j'avais plus de place sur mon téléphone. Donc, je me suis dit, je vais déjà en prendre deux. Et en fait, si vous voyez, alors, donc, ah oui, excusez-moi, les poudres embossées, je pense que c'est 1,49€, il me semble, si je me trompe pas. Ça, c'est à 99 centimes. Alors, vous voyez, donc, c'est les feutres pinceaux. Vous vous rappelez, il y avait des grosses quantités de feutres qui étaient sorties. Moi j'avais acheté la grosse boîte et en fait moi j'ai regardé, apparemment pour moi c'est pas les mêmes. J'ai regardé au niveau de mes feutres à moi. Bon, faut dire que j'en ai beaucoup aussi, alors est-ce que peut-être j'ai passé dessus. Alors là vous avez donc dans les teintes bleues, donc j'en ai pris que deux. Après vous avez dans les teintes automnales orange, marron et rouge, après je ne saurais plus vous dire. Après donc là il y a le numéro 261, 262, 272, donc pour les feutres de couleur bleue. Vous voyez, je vais peut-être faire ça comme ça parce que vous n'allez pas pouvoir voir. C'est pas évident avec le reflet. Après tout, on va les ouvrir. De toute manière, c'est bien, je vais les utiliser. Alors, pour le deuxième, il y a 112, 116 et 223. Alors, je vais vous montrer ça à la caméra. Alors, vous voyez, c'est toujours avec des étuis, donc couleur mat. Donc, ce sont les feutres pinceaux. Alors, j'adore utiliser cela. Je suis vraiment une accro au niveau de ces feutres. Parce que je trouve qu'on peut vraiment faire des très, très belles choses. Et moi, je colorie... Pardon, excusez-moi pour le bruit. Et moi, je colorie principalement mes fleurs, mes dessins de coloriage. Je colorie principalement beaucoup de choses avec ces feutres-là. Alors, j'essaie de vous les montrer. Alors, vous voyez, il y a quand même des belles couleurs. Et vous avez le dernier, 272. Voilà. Alors, quand je vais retourner à Action, bon, normalement, c'était pas prévu. Je retournerai, je vais faire un petit essai au niveau. Hop.
Vous ne faites pas attention, c'est un petit brouillon que je fais, mes petits collages ou autres, comme d'habitude. Ils sont vraiment... Ah, attendez. Hop, 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 hop. Il ne faut pas que je mette du feutre en dessous. Hein. Là, c'est ma nappe. Je vais être un petit peu... Déjà là, il y a une tache noire. Là, je ne sais pas c'est quoi. Mais je trouve que vous pouvez vraiment faire des très très beaux dégradés avec. C'est vraiment des feutres que j'affectionne particulièrement. Par contre, comme je vous l'avais dit, il ne faut pas appuyer trop sur les pointes parce que les pointes ont tendance à s'effilocher et vous n'avez plus la précision que vous l'aviez au départ. Donc c'est un petit peu compliqué. Oui. Vous voyez, je vous ai fait un petit nuancé rapido. Oui, donc si vous utilisez ces marqueurs, donc à alcool, faites attention si vous travaillez directement sur une partie de tissu parce que ça tache, vous ne pourrez plus avoir les taches. Alors, en troisième nouveauté. Alors, j'ai trouvé... Alors, je suis vraiment trop, trop contente. Alors, il y en a un que j'ai pris en double. Bon, je voulais le reporter, mais je me suis dit, c'est pas grave, je vais le garder. Parce que je voudrais faire à l'occasion un décor de Noël. Bien que les die cuts en bois m'intéressent fortement parce qu'ils sont quand même assez beaux. Et en fait, donc là, en fait, je vais vous montrer. Vous avez 6 modèles différents. Alors moi, j'en ai trouvé que 4, ce qui est déjà pas mal. Alors ça, c'est moins de 2 €. Je saurais plus vous dire exactement le prix. Alors, je vais vous montrer parce que bon, derrière le plastique, on est tous d'accord, hein, c'est pas terrible. Faut quand même prendre le temps de montrer, c'est ça qui sert aussi à faire des vidéos. Alors, je vous montre donc les petites découpes en couleurs. Regardez-moi ça, la petite voiture. J'adore ces petites voitures avec le sapin. Je trouve ça vraiment trop, trop mimi. J'ai vu sur AliExpress qu'ils en faisaient, donc je vais regarder aussi pour en commander. Regardez le petit chat. Alors, bon. Ensuite, je voulais vous dire aussi, vous avez la petite découpe qui est là, vous voyez, et vous avez les deux en bois naturel. Alors, c'est dommage qu'ils ne colorisent pas tout, parce que je trouve que colorer, c'est plus joli que du... Attention, hein, le bois naturel est tout aussi beau, hein, mais c'est dommage. Je trouve qu'ils auraient dû faire quelque chose de coloré. Ah oui, c'est ça, je voulais vous montrer. Alors, vous voyez, vous avez au-dessus, vous avez la présentation. Donc, de ce que vous avez à l'intérieur. Alors, vous avez celui-là. C'est vraiment trop, trop beau. Après, maintenant, je ne sais pas. Pour ceux et celles qui s'y connaissent, maintenant, je peux faire aussi des petites têtes au niveau sur le côté. Mais pour ceux et celles qui s'y connaissent, est-ce que vous pouvez me dire comment on peut coloriser le balsa? Parce que moi, je vais quand même regarder. Parce que vous voyez, vous avez... des petites lumières, vous avez des petites étoiles. Donc ça, j'aimerais bien voir si on peut les embosser. Vous voyez, avec les petits... voilà, avec les petites poudres embossées, ça ferait joli. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà essayé ou pas? Ou vous voyez, vous avez encore... vous n'avez pas particulièrement... Après, vous avez des petits sapins, des trucs comme ça. Donc, bon, le petit bonhomme, là, moi, je ne vais pas pouvoir le faire parce que, bon, je ne sais pas coloriser, donc faire les personnages, vous voyez, donc vous voyez, c'est vraiment trop trop beau. Regardez. Franchement, on est d'accord, ça a de la gueule. Regardez, même ça. Je pense que je vais en racheter une deuxième et puis je vais prendre ça. Parce que comme je vais faire mon album aussi de Noël pour Disneyland, je pense que ça pourra... faire très très joli pour mettre ça dans un album. Je pense que ça peut péter, en fait. Ça peut vraiment faire très très beau. Alors après, vous avez celui-là. Alors celui-ci, je l'ai acheté en double. Donc sur le coup, je me suis dit je vais aller le reporter. Et après, je me suis dit bon, c'est pas grave, que c'est tout de garde, parce que j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait fortement dedans. Alors, vous voyez, vous avez des petits personnages. Donc, ça, vous pouvez le mettre sur un album. Vous avez petit bonhomme de neige avec les petits enfants. Vous voyez, vous avez quand même pas mal de choses. Je vais vous le sortir. Hein. Je pense que ça sera mieux. Hein. Oui. Hein. Vous voyez, regardez comment c'est joli. C'est trop, trop beau.
Bon, vous voyez, ça, par exemple, là, vous pouvez les coloriser. Donc, pour coloriser avec des feutres à alcool, ça marche. Vous voyez, vous avez vraiment... c'est trop, trop beau. Regardez, hop, je vais vous en décrocher un. Regardez, c'est pas trop épais. Franchement, pour mettre sur un album, c'est génial. Donc, bah voilà. Donc, l'an dernier, je voulais les prendre en double. Après, je me suis dit, wow, pff, allez, t'en prends qu'un. De toute manière, après, bon, ça fait aussi un budget. Hein, donc, vous voyez, ça, vous pouvez le mettre sur une couverture d'album. On est d'accord. Ça, vous pouvez le mettre aussi à l'intérieur de vos pages. Regardez, un petit chat. Un petit chat. Vous voyez ? Un petit sapin de Noël. Vous voyez, ça, je peux le prendre pour faire mon album de Disneyland. Donc, je me suis dit, à l'occasion, Christelle, allez, hop, tu te le prends. Et puis, quand tu retourneras à Action, t'en prendras en double. Comme ça, je pourrais faire ma petite déco au niveau de Noël. Déjà, l'an dernier, ils en avaient sorti 6. Cette année, ils l'ont réédité. Et franchement, je trouve ça vraiment trop, trop génial. Alors, je vous montre. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Alors, je vous le montre. Voilà. Ils ont mis des petits... il n'y avait pas de flocons de neige l'an dernier. Alors, ça, c'est moins de 2 euros. Je pense que c'est 1,49€ ou 1,79€. J'aurais pu vous dire, comme d'habitude, je ne retrouve pas. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à la caisse. Hein, mais à chaque fois, j'ai mon ticket de caisse... à chaque fois, je le mets à la poubelle ou je sais pas, je vais le mettre dans ma voiture et puis après, bah, je fais le nettoyage de ma voiture, je les jette et puis oui, en plus, j'avais pas retrouvé le ticket de caisse, donc c'était un peu embêtant. Alors, vous voyez, vous avez ça. Alors, ça, c'est un petit lapin. Un petit lapin de Noël. Bon, vous voyez ça, vous pouvez le garder et puis vous le mettez sur un album pour Pâques ou vous voyez, un petit renard. C'est ça, c'est un renard. Hein. Ah non, c'est un chat. Ah, n'importe quoi. Un renard. En plus, c'est un renard. Un renard qui est pas roux. N'importe quoi. Ça ne va pas. Vous voyez, vous avez de quoi faire la petite maison. Vous voyez, encore une fois, vous avez des petits personnages. Je trouve ça vraiment trop, trop mignon. Trop mimi. Vous voyez, donc là, vous avez la base pour mettre les décors. Vous avez les petits lampions. J'adore les petits lampions comme ça. Vous voyez, vous avez vraiment trop, trop beau. J'adore. Je suis vraiment... en plus, c'est du bois. Donc, tout ce qui est fait avec le bois, j'adore. Alors, je vous montre le quatrième. Alors, n'oubliez pas, vous avez le récapitulatif derrière. Hein. Voilà. Bon, ça, je vais le ranger après. Je ne vais pas vous embêter à le ranger. Alors, je vais le mettre là. Ensuite, alors, j'ai trouvé... alors, ça, je ne vais pas vous les remontrer parce que je pense que celui-ci, je vous l'avais montré. Donc, je l'ai repris parce que je le cherchais. J'ai trouvé un autre dont vous avez toujours le récapitulatif au dos. Donc, ça, c'est 99 centimes. C'est pas fini, hein, je vous dis. J'ai trouvé plein de choses. Vous allez voir, il y a un produit, je crois, que vous allez vraiment aimer. Bon, la vidéo va peut-être être un peu longue. Alors, je vous le montre. Alors, vous avez celui-ci. Alors, toujours pareil. Hein, donc, vous avez toujours la petite suggestion qui est en haut, qui est là. Voilà. Et ensuite, vous avez les die-cuts. Voilà. Regardez, alors, quand... ils ont mis vraiment beaucoup de voitures cette année. Hein, c'est vraiment... vous voyez, donc ça, je vous disais, hein, ça, vous avez, vous n'êtes pas obligé de le mettre sur la carte. Vous pouvez aussi les détourner et vous pouvez les mettre. Ça, vous pouvez, vous voyez, quand c'est des petits éléments comme ça, vous pouvez les mettre dans des checkers. Voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre des paillettes. Pour ceux et celles qui n'aiment pas les paillettes, vous pouvez les mettre aussi dans des checkers. Je vous ferai une présentation et si vous souhaitez une vidéo pour un tuto pour les checkers hors paillettes, vous allez voir, c'est vraiment trop, trop chou. J'en ai fait quelques-uns. Bon, là, je ne les ai pas à disposition, donc je peux pas vous montrer. Allez. Love, le mot love. Ça résonne en moi. Bon, vous avez quelques parties, je sais pas si vous allez voir, quelques parties, vous voyez que c'est pailleté. Voilà. Alors, il y a des petites épingles. Petite étoile. Donc, vous avez toujours la base là de cartes, si vous voulez faire des cartes avec. Voilà.
Voilà, donc ça vous pouvez le garder et puis le mettre aussi sur une page de scrap, hein. C'est pas gênant, regardez, une petite lanterne. Alors ça c'est, je vois pas, que je regarde dans l'envers, c'est un peu, ah c'est les petites poupées. Ça j'ai connu les petites poupées, vous voyez, qui étaient une base molle. En tissu pour pouvoir les appuyer sur les meubles. Enfin, je crois que j'en ai encore. C'était la mode. Alors, je vous montre. Donc, hop, regardez des petits biscuits avec du glaçage. Regardez le pincettier. C'est dommage qu'ils l'ont pas fait en rouge hein, quand même. Hein. C'est bizarre parce qu'on présente ça au mois de octobre, on a l'impression que c'est déjà Noël en fait. C'est vraiment, c'est étrange, je sais pas, ça fait bizarre. Moi hier quand je suis allée dans le rayon de Noël, j'avais vraiment l'impression que Noël était vraiment à quelques jours. Ça fait vraiment, je sais pas, c'est étrange. Vous voyez, vous retrouvez les petites poupées, les petits nœuds. Vous voyez, donc ça, vous pouvez le mettre aussi sur un album, hein, c'est pas gênant. Ou sur Adjunct Journal, parce que bon, il y a des die-cuts qui font quand même assez vintage. Moi, je pense, alors je ne sais pas si je vais partir sur un album pour faire mon album de dessinée, ou je vais plutôt partir sur un Adjunct Journal style vintage pour mon pour celui de Disneyland, je ne sais pas encore. Il y a encore une petite voiture. Vous voyez, je vous dis, hein, ils ont mis partout, partout, partout. Je ne sais pas encore. Donc, je vais voir. Je vais voir. Alors, je vous montre la dernière feuille. Oui. Il y a des petits cœurs, des petits oiseaux, et voilà. Alors, vous avez le récapitulatif au dos. Donc, vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cartes. Donc, il y a 4 cartes des 10-15, 4 cartes de 10-15 et 4 cartes de 13-13. Voilà. C'est comme les blocs de l'an dernier. Hein. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de changement par rapport à ça. Ensuite, alors excusez-moi si je perds un peu ma voix. Ça m'arrive de temps en temps. Alors, donc vous avez les trois blocs. Alors, je les ai enfin trouvés parce que la dernière fois j'y avais été. Il y avait, tant que je fais la vidéo, ça s'est vidé. J'ai pas eu le temps de les prendre. Donc, ça va, je suis contente. Je les ai trouvés. Alors, oh, bah attendez. Regardez, j'en ai retrouvé un. Alors, en fait, j'en ai acheté 3. 4. Regardez, c'est vraiment des couleurs. Bon, après, il y a le noir standard, il y a le rose. Et j'ai pris un bleu comme ça, glitter. Et j'en ai pris un bleu, donc, smooth. Bon, de toute manière, c'est bien. Je vous ferai une vidéo pour le test, comme d'habitude. Alors, donc, là, je vous avais déjà présenté un bloc que j'ai déjà fait quelques créas dedans. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Alors, vous avez celui-là. Ah, celui-ci, c'est un de mes préférés parce que il y a la nature, il y a des végétaux, des arbres. Bon, je trouve ça un peu dommage qu'ils l'ont mis des flocons de neige comme ça. Donc, vous avez toujours une feuille de folle. Vous voyez, c'est dommage. À la Girls, on aurait dû mettre des flocons de neige comme ça, mais blancs. Voilà, comme ça, avec des paillettes. Je trouve que c'est un peu trop flashy. Vous voyez, ça, c'est un petit peu plus nuancé. C'est un tout petit peu plus, on va dire, naturel. Moi, j'aime bien que ça reste naturel. Hein. J'aime pas quand ça commence à partir dans toutes les couleurs. Voilà. Vous voyez, comme là, c'est pas... J'aime pas. C'est pas... je préfère que ça... Vous voyez, comme là, après, bon, bien que la couleur n'est pas, voilà, bleu, pour du feuillage, c'est pas non plus naturel. Mais ça reste, on va dire encore, ça va, ça passe. Bon là, je suis pas trop, voilà, il y a vraiment beaucoup de foils. Après vous avez, donc c'est plutôt dans les teintes bleues, hein, donc voilà, vous avez ça. Après vous avez des petits flocons de neige, donc toujours avec du foil. Vous voyez, ça c'est plus joli ça, c'est plus, ça me parle plus en fait. Voilà, c'est plus naturel. Alors,
des cerfs avec des flocons de neige. Vous voyez, ça c'est plus joli. Bon, ça n'engage que moi, hein. C'est voilà, moi je dis mon goût. Vous voyez, donc là, vous voyez, ça avec de la paillette, ça fait un petit reflet, ça donne de la profondeur, c'est joli. Voilà. Tout le monde n'aime pas le même, hein, bien heureusement. Hein. On est tous différents, bien heureusement d'ailleurs, parce que ça serait le monde serait compliqué. Hein. Vous voyez, ça c'est joli, ça c'est beau. Et des petits, vous voyez, des petites touches de neige comme ça, des petites touches de lumière, ça fait vraiment très très beau. Donc après, vous avez le même. Alors ensuite, vous avez celui-ci. Voilà. Toujours avec du foil. Donc ça c'est à 1,99€, il me semble. Je ne saurais plus vous dire. Oh là, c'est pénible hein, que je ne retrouve jamais les tickets de caisse. C'est soit je fais le tri dans mon sac et je les prends ou pouf, après hop, je les mets à la poubelle et puis je regarde même pas qu'est-ce qu'il y a dessus en fait. Je contrôle jamais. Bon, bien qu'action, j'ai jamais eu de problème à part une ou deux fois au niveau des prix. Mais bon, ça, je regarde au fur et à mesure quand les prix passent au niveau de la caisse. Généralement, j'essaye de faire attention. Ou quand il y a quelque chose qui me paraît bizarre, je me dis, il y a un problème. Généralement, je calcule toujours à peu près pour combien j'en ai. Voilà, pour ne pas faire trop exploser le budget. Vous voyez, ça c'est joli, ça. C'est naturel, voilà, il y a des feuillages. Ça doit être des petites groseilles, il me semble. Voilà, je vois mal des groseilles vertes ou enfin quand c'est pas mieux ou des groseilles violettes ou ouais, c'est un peu et ça c'est joli ça. Il y a avec de la paillette, c'est beau, j'aime bien. Alors, je vous le montre quand même avec la paillette. Hop, j'ai été trop vite. Vous voyez, ça j'aime pas ça. À la rigueur, ils auraient dû mettre les boules en foil, mais pas le feuillage, vous voyez. C'est plus joli comme ça, quand même. Hein. Allez, moi, je sais pas. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Je pense que du foil, c'est joli, mais il faut pas non plus que ça soit... Allez, hop, j'ai ma feuille qui revient, excusez-moi. Faut pas non plus que ça soit voilà, en grosse quantité, parce qu'après, ça fait pas joli, en fait. Ça fait pas naturel. Enfin, moi, personnellement, c'est mon avis. Donc après, vous avez celui-là, donc vous avez les étoiles, ça j'aime pas trop, ça va, vous voyez, ça pour Noël, vous pouvez le prendre. Vous voyez, si vous voulez, par exemple, vous avez besoin de faire un checker et vous avez besoin d'étoiles, ben, vous pouvez les découper, les plus petites, et les incorporer dedans. Si vous faites un grand checker, vous pouvez prendre aussi les grandes étoiles, c'est pas gênant. Vous voyez, ça c'est beau, vous voyez, ils en ont mis un tout petit peu, c'est pas claquant. Au lieu de faire les feuillages, ils ont mis, bon, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, les petites branches de sapin, ils ont mis ça sur les petits, les petites fleurs. Je ne sais pas exactement. C'est joli, vous voyez. C'est beau. Voilà. Donc, du rouge. En plus, ils ont mis tout comme ça, quoi. Ils ont même, c'est ça qui est un peu... voilà, qui me perturbe, vous voyez, il n'y a pas vraiment de dessin dans le foil, ils ont mis des paquets, et en plus, ils nous mettent toujours du doré. Je sais pas, du foil, vous avez plein de couleurs de foil, hein. Vous avez du vert, vous avez du rouge, du jaune, de l'argenté, enfin, du bleu, du violet, du rouge. Pourquoi ils nous mettent toujours, voilà, des couleurs, toujours, c'est pas beau, quoi, c'est... Je suis en train de vous faire un speech sur le foil. C'est horrible. Vous voyez, ça, c'est pas beau. Ça, j'aime pas. Vous voyez, ils auraient pu mettre du foil, mais en rouge, ça aurait fait joli. Vous voyez? Vous voyez, ça, c'est beau. Vous voyez, pourtant, il y a du foil, mais c'est pas trop prononcé. C'est joli. Ah, ils l'ont mis au niveau du fond. Ça, c'est pas beau non plus. Ça, j'aime pas. Vous voyez, ils auraient dû mettre du foil, mais vert. Voilà, ça aurait fait plus joli. Regardez des petits bâtons de cannelle.
Voilà, alors ça c'est pour la présentation des blocs et je vais vous montrer le plus joli, le plus beau de ce que vous avez sur les blocs de Noël. Je les ai trouvés. Je fais des drôles de bruit. Voilà, j'en ai trouvé 3, je pense qu'il doit en avoir 6 parce qu'il y en avait... j'en ai trouvé 4, le quatrième je ne l'ai pas pris parce que c'était sur le thème noir. Donc comme d'habitude, il n'y a que le bloc 30-30 que j'ai pris noir et encore je regrette parce que je trouve qu'il n'est pas vraiment top. Voilà, pour du Noël ça fait quand même assez triste. Et j'ai trouvé ces blocs là, donc je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais vous montrer le premier. Alors comme d'habitude, c'est les Luxe Paper Blocks. Donc vous avez... alors... 8 pages de die cut, 2 pages de vellum, 8 pages de papier et une feuille de glitter. Alors, de paillettes. Alors, chaque année, Action maintenant nous les sort. Toujours la marque Deco Time. Et en fait, vous avez toujours pour les blocs de papier une feuille, donc glitter paillettes. Alors, je vous le montre en gros plan. Pour que vous puissiez faire une capture si vous voulez faire une photo. Moi, c'est qu'est-ce que je fais quand je vois des nouveaux artistes sur les halls. Je fais une photo, comme ça, je sais qu'est-ce que je dois prendre. Et au niveau du visuel, je sais comment je dois le chercher. Alors, je vous le montre. Alors, c'est vraiment trop... Regardez le petit tout là. Oui. Ça, vous avez le foil, le vellum, c'est toujours les mêmes, hein, toujours avec les mots. Ça, elle devrait arrêter de nous en mettre, je trouve. Hein. C'est pas, voilà, on en a assez. Enfin, pour moi, j'ai du mal vraiment à travailler avec le vellum. Vous avez une feuille, donc, dans celle-ci qui est couleur silver, argenté. Après, je dépose. C'est sur le thème de Noël. Vous avez des carreaux. Vous voyez, ça pour faire des petits cadeaux de Noël. Pour des die cuts. Pour des découpes, ça peut être pas mal. Alors là, ils ont mis des ciseaux avec des rubans. Je comprends pas pourquoi ils ont mis ça. Les rubans, quoi, à la rigueur, les rubans. Voilà, il y a des... Les ciseaux, je vois pas qu'est-ce que ça fait là. Ça, je vois pas trop qu'est-ce que c'est. Voilà, les ciseaux. Des petites épingles. En fait, il y a le moment, ils collent n'importe quoi, je pense, pour faire le papier. Ouais, c'est vraiment... Il y a des sapins, ils peuvent nous mettre des sapins, des petits villages de Noël. Alors là, on arrive sur les daquettes. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Alors moi je vais en garder parce que j'ai le projet plus tard quand je serai à jour en retraite et que j'aurai un petit peu plus de place. Je pense pouvoir refaire ma maison poupée. Donc vous voyez ça, ça peut être intéressant à incorporer sur du balsa. Il y a des choses qui m'intéressent. Voilà, je conserve et le jour que je pourrai, j'aurai plus qu'à reprendre les petits blocs. Regardez si c'est pas joli. Ils ont fait des petits ballons comme ça avec des têtes de bonhommes de neige. Des petites casse-noisettes. J'adore les casse-noisettes. C'est trop beau. Trop beau. Regardez. C'est vrai, ces blocs-là, ils sont vraiment trop beaux. Hein. C'est vraiment, il y a toujours des belles choses dedans. Et c'est vrai que quand je vois qu'ils sortent, j'ai toujours envie de les avoir parce que il y a vraiment des die cuts qui sont vraiment très très beaux et on peut faire vraiment des très très belles choses avec. Regardez-moi ça. Regardez. Franchement, c'est pas joli. Voilà, mon rêve. Une entrée de maison. Je trouve que c'est dommage, c'est que les décorations de Noël à l'extérieur se perdent. Et vous avez encore une feuille de vellum.
Quand j'étais plus jeune, je passais à une maison qui était du côté de Moucron, une superbe maison, toute blanche, et ils mettaient des décorations à tomber à terre, et puis du jour au lendemain, l'année suivante, il n'y en a plus. Je trouve ça vraiment dommage. Voilà. Le deuxième, c'est plutôt dans les teintes, vous voyez, rose, violet. Je trouve ça vraiment dommage parce que les décorations, l'extérieur se perdent en fait. Voilà. Comparativement aux États-Unis, quand vous allez là-bas, c'est plein de lumière, plein de. Voilà, ça fait rêver les enfants. Je trouve que maintenant, enfin, moi dans ma commune, il n'y a plus grand monde qui mette des décorations, même des lampes lumineuses aux fenêtres. Voilà, ça se perd en fait. Donc je ne sais pas si c'est parce que l'électricité devient chère ou ça devient compliqué pour tout le monde. Je pense que c'est ça en fait. Je pense qu'il y a tellement de gens qui sont en difficulté. C'est vrai, quand on a des problèmes, on n'a pas forcément le cœur à faire la fête, malheureusement. Moi, je mets plus de sapin de Noël parce que j'ai plus de place. J'ai remplacé, oui, Père Noël, celui-ci, il est très beau. Vous voyez, c'est du très beau papier. Voilà, moi, j'ai plus de place. Mon mari m'a fait un meuble pour mettre mes affaires de scrap, donc ça a pris la place du sapin de Noël. Donc, je ne peux plus mettre mon sapin. Je suis vraiment triste. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir une maison parce que voilà, moi, je suis vraiment dans un petit appartement, mais vraiment petit. Donc, j'ai pas vraiment la place pour même pour mettre un petit sapin. Ou bien, il faudrait que je regarde pour mettre un petit sapin. Ma soeur me dit de mettre un petit sapin sur un meuble. Mais je trouve que voilà, c'est pas, enfin, ça fait joli, hein, c'est pas ça. Mais voilà, je pense que moi j'ai été, voilà, pour moi Noël c'est un grand sapin. J'aimerais bien mettre un très très grand sapin. Il va jusqu'au plafond avec des grandes boules, enfin bref, vraiment le voilà, après je sais que c'est qu'une image hein, mais j'aimerais bien. Voilà, on a tous des rêves hein. Voilà, c'est moi Noël, ça reste Noël, c'est pour moi c'est une belle fête, mais bon, on commence à perdre de sa splendeur, je trouve, malheureusement. J'ai un âge, on va pas dire avancé, mais voilà, je compare par rapport à avant et maintenant. Voilà, je trouve que Noël n'a plus rien de magique. Je sais, quand j'étais petite, par exemple, bah, les magasins commençaient à mettre les jouets fin novembre, début décembre. Et on allait avec maman faire un petit tour et voilà quoi, c'était vrai, c'était magique en fait. On voilà, et on pensait pas que c'était les magasins, vu qu'on était vraiment dans la structure voilà, Père Noël. Et puis enfin, je trouve ça vraiment dommage quoi. C'est vraiment, c'est quelque chose que je vous disais l'autre jour. Alors ça c'est le troisième. Vous voyez, j'explique un petit peu ma vie. Je papote beaucoup aujourd'hui hein. Je voilà, c'est parce que envie de faire part de quelques petits trucs. Regardez, du Père Noël. Voilà, c'est, enfin, moi c'est mon avis personnel hein. Maintenant voilà, tout le monde ne pense pas comme moi, bien heureusement. Moi je vous explique un petit peu ma façon de voir les choses. Alors, ça c'est pas le papier n'est pas très très beau. Je vous montre vraiment le plus gros. Je pense que la vidéo va faire pas loin de 20 minutes. Je suis désolée, j'essaye de. Voilà, donc on arrive au die cut. Je trouve que les carnets sont vraiment très très beaux. Bah, tenez, dites-moi en commentaire, on va faire quelque chose. Dites-moi en commentaire pour vous si vous avez toujours cet esprit de Noël. Est-ce que vous trouvez que Noël est une fête qui reste encore magique malgré que les produits sont commercialisés très à l'avance? Ou vous trouvez que ça a perdu de sa,
de sa splendeur. Est-ce que vous trouvez que les magasins vendent les produits trop chers? Dites-moi, faites-moi un petit commentaire comme ça pour simplement voir si, voilà, pour faire un petit peu d'échange, voilà, pour voir un petit peu qu'est-ce que vous pensez par rapport à tout ça. Simplement. Regardez. Hop, une petite table, un petit gâteau, une petite maison. Hop, je passe en dessous du pied parce que hop, j'ai un peu de mal ce matin. Voilà, il y a une petite cheminée. Hop. Et toujours les pages de vellum. Voilà pour... Oh, pardon, excusez-moi, j'ai tapé dans le pied. Voilà pour ces trois blocs de papier que vous pourrez trouver donc très prochainement dans votre magasin. Enfin, je le souhaite pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner à ma chaîne. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram perlecomscrap. Je vais essayer de mettre sur mon compte Instagram tous les blocs et les photos, donc des produits avec les codes barres, si vous êtes intéressé pour pouvoir vous les acquérir. Voilà, moi je vous fais des gros bisous remplis d'amour comme d'habitude et je vous envoie plein de lumière. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir.